Nous allons appeler la chefferie. Le programme a démarré. Hier, c'était l'introduction. Je vais inviter la chefferie de s'approcher. Je demande à la chefferie de s'approcher. Philippe. Ça va. Du calme, s'il vous plaît. I am out here. On est club du beau. Godi le réunion. Crossfow, ta beauté, tu connais la Wakaï. I am out here. Abonani, puis, aïe, 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 la gorge au pire, donc la gorge n'est pas mal. Bien, voilà, on va place au négo. Ok. Chers parents de Brabutuku, je suis sûr qu'il y a eu aussi des gens de différents villages, à savoir les villages environnants, qui se sont déplacés massivement pour l'accueil que nous avons réservé au prophète Joël Krasso. Sur ce, je voudrais vous dire merci d'être venu, mais nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir encore une deuxième fois le prophète Krasso. Pour ceux qui ne l'ont jamais connu, vraiment je voudrais vous dire que c'est de lui qu'on parle tout le temps. Pour cela, je demande à toute la population de l'acclamer. Prophète, soyez les bienvenus sur la terre de Brabutuku. Ok, merci pour l'accueil et merci de m'avoir invité. Tout à l'heure, nous avons l'occasion de parler des choses très importantes. Parce qu'il s'agit de la délivrance du village. Il s'agit de la délivrance du village. Il y aura beaucoup d'étapes. Hier, c'était l'introduction. On a introduit pour expliquer un peu le ministère du prophète Krasso. Zeka et les Bakama. Elle est à Bakanya ne bout pas. D'où à Oublindé. Ce qui coule le Wadjiri. Et à Wakawa, Lago, et à prophète Krasso, Oyoba, Wakawa, Oyipala. Parce que la foi vient de ce qu'on attend, de ce qu'on attend de la parole. Aujourd'hui, c'est une autre étape. Amen. Vous me permettez de confier ce temps-là à Dieu. On va se tenir debout. Nous te rendons toute la gloire, Adonai. Nous voulons te bénir maintenant même. Conduis ce programme et merci de le faire maintenant. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié, on dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? On a fini avec vous, on aura l'occasion tout à l'heure. Alors vous pouvez les asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je vous sens pas qu'on acclame mon Jésus de Nazareth. Alléluia. Je te présentais. C'est une sœur en Christ. Elle est pasteur en Italie. Elle est pasteur. Elle dirige l'église avec son mari. Son mari est italien. Elle est ivoirienne d'Aboisso. Elle est venue spécialement ici à Divo, à Côte-Moi. Elle suit mes activités depuis l'Italie. Elle est venue aujourd'hui et nous accompagner dans cette croisade. Tu vas dire bonjour. Bonsoir. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen.
Je m'appelle Thérèse Ongueta. Amoala Thérèse Ongueta. Je suis très heureuse d'être avec vous. Je suis venue spécialement rencontrer le prophète Crasso. Son ministère m'a fait du bien parce que, étant une Africaine pasteur, le fait que je suis aussi dans le ministère de la délivrance, il n'est pas facile pour moi de me faire comprendre les choses mystérieuses. L'Éternel m'a fait la grâce de voir le prophète Crasso par rapport sur le tube YouTube. Oh ne, diwa, dona troka diara nani. Internet yeko, la gwa oya nu parne injiri oyi. Donc par la grâce de Dieu, c'est que j'ai ces activités, mais aussi dans mon ministère quoi. Donc maintenant mon mari arrive à me comprendre parce qu'au départ il pensait que j'étais malade, il n'arrivait pas à comprendre les choses mystérieuses quoi. Jidane na nyoto gugu abokaba, gugu me karon, meseka. Donc, je peux dire que vraiment, c'est une bénédiction surtout pour vous et pour nous tous aussi, quoi. Que Dieu vous bénisse aussi. Voilà. Nous sommes suivis par 162 pays, 168 pays dans le monde. C'est tout le monde entier qui nous suit. Voilà, voici chez son mari. C'est intéressant de voir la photo. La voici chez son mari. Elle est pasteur. Son mari est pasteur. Ils sont tous en Italie. Gloire à Dieu. C'est important de vous parler de ça. Pour une autre histoire, là, c'est pas au niveau de l'individu seulement. C'est, ça a pris le monde entier. Demain dimanche, tu auras l'occasion de changer avec nous. Viens, je te présente. Elle aussi, elle est venue de la France. Ça fait quelques jours qu'elle est là. Elle est venue de la France. Voilà. En même temps, je serai obligé de la présenter officiellement. Celle qui s'occupe de mon arrivée en France. Il va partir d'ici quelques jours sur Paris. Nous avons à Paris, nous serons à Paris, nous serons à Lyon, nous serons à Marseille, nous serons à Bordeaux. Très bientôt, par la grâce de Dieu. Avant qu'on sera à Londres, on aura l'occasion de visiter Londres, on aura l'occasion de visiter les États-Unis dans le mois de mai. Donc cette histoire de notre ministère, ça a gagné le monde entier. Et elle est écrite là-dessus, depuis que les gens regardent nos vidéos, nos enseignements sur le YouTube, cela leur a permis de comprendre beaucoup de choses en matière de la délivrance. Nous l'oublions, elle est venue spécialement pour nous aider. Elle-même est venue pour être délivrée et puis nous aider dans certaines choses. Amen. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est venue avec beaucoup de cadeaux pour le ministère. Vous avez des cadeaux là-bas. Elle a envoyé des soutiens pour tout le monde. Oui. Je suis obligé, tu sais, ma bouche, je t'ai dit, ma bouche, là, ça ne gâte pas les choses. Amen. Que Dieu bénisse. La gazille, la ziliwa, la ziliwa, la ziliwa, la ziliwa, la ziliwa, la ziliwa, we'll be right back.
Thank you.
I'm not going to be able to do it.
Yeah.